Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS Anime Champion Simulator. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur les donjons. C'est une des nouveautés sorties lors de la dernière mise à jour et je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les donjons et à quoi cela va vous servir. Dans un premier temps, il va falloir les débloquer, ces fameux donjons. Donc on va se rendre à Virtual Palace, le monde de Sword Art Online. Donc c'est parti. Une fois arrivé au monde de SAO, les amis, nous allons partir derrière l'orbe, juste ici. Vous voyez la tour qu'il y a devant nous? Eh bien, c'est la tour dans laquelle nous allons débloquer les fameux donjons. Le PNJ, juste ici, va nous donner une mission que nous devrons remplir. Une fois que cette mission sera remplie, il faudra ensuite aller dans cette fameuse tour. Et au bout de cette tour, il y aura les donjons à débloquer, déverrouillés contre de l'argent. Alors, qu'est-ce que les donjons? Les donjons, c'est une sorte de mix entre les raids et la tower. Vous allez avoir plusieurs étages, 5 en tout. Chaque étage aura une difficulté différente, ça augmentera au fur et à mesure des étages, bien sûr. C'est un très très grand labyrinthe dans lequel vous allez pouvoir récupérer pas mal de trésors, de capsules et d'autres choses encore. Mon premier conseil vis-à-vis des donjons, les amis, c'est de prendre votre temps. Vous avez une heure pour découvrir les étages. Faites les étages les uns après les autres entièrement. Comme ça, vous pourrez récupérer le maximum de choses. Je me lance à la conquête du donjon. C'est parti! Voilà, nous sommes arrivés donc dans les donjons. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, vous avez une sorte de mini-map. Alors forcément, j'ai déjà découvert le floor 1, donc l'étage 1 en entier, ce qui fait que j'ai la map complète. Si c'est la première fois que vous arrivez dans les donjons, vous allez devoir la découvrir par vous-même. Je vous mettrai les maps de chaque étage sur le Discord afin que vous puissiez savoir exactement où se situent les différents types de salles du donjon. Une autre petite astuce pour bien faire vos donjons et gagner un max de temps, c'est de vous mettre une monture. Elles sont acceptées dans le donjon, toutes sauf les montures qui volent. Il existe différents types de salles dans les donjons. Le premier type de salle, ce sont les salles jaunes ou les salles au trésor. Dans ces salles-là, vous allez devoir soit faire un parcours, tuer un mini-boss et obtenir un coffre. Ensuite, le deuxième type de salle, ce sont les salles bleues. Les amis, dans ces salles, vous allez retrouver les fameux shrines. Vous avez juste à les activer et c'est tout. Ça vous permettra de débloquer un maximum d'upgrades juste ici. Il existe 10 shrines en tout et pour tout, répartis sur les 5 étages des donjons. Le troisième type de salle dans ces donjons, ce sont les salles vert clair. Dans ces salles-là, vous allez y trouver les capsules de tous les mondes existants sur le jeu. Une salle, une capsule, là par exemple, c'est le monde ninja. C'est une capsule qui est surboostée au niveau de la luck, donc n'hésitez pas, vous pourrez peut-être obtenir vos Cosmic Summon beaucoup plus rapidement ici. Pour ouvrir ces capsules, il vous faudra la monnaie des donjons, des âmes, donc vous allez devoir en farmer pour pouvoir en ouvrir un maximum. Et enfin, le dernier type de salle, c'est la salle violette. Dans cette salle, vous allez y trouver un mini-boss. En tuant ce fameux mini-boss, vous allez débloquer le portail pour l'étage suivant. Il est désormais temps de lire le top commentaire de la vidéo précédente qui est celui de JYCK-YX4QN. On en parlait en live, je suis trop hype pour la suite. Et oui, ma vidéo précédente, c'est le début de mon aventure sur le jeu Bloxroot. Si vous voulez la suivre, n'hésitez pas, vous pourrez la retrouver facilement ici. Et merci à toi, JYCK. Ce message me fait extrêmement plaisir. Les amis, je vous aime toutes et tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Abonne-toi. Abonne-toi.